Mesdames, messieurs, nous revoilà au Pertus au boulot, c'est Mathieu. Donc on y retourne en fait, on va reprendre le péage parce que bah, il a été perdu cet après-midi par un petit coup de pression de la police parce que voilà, en fait, je vous explique le coup. C'est que mes vidéos, elles ne plaisent pas parce que bah, je montre qu'il n'y a pas de souci avec la police en fait. Donc le problème, c'est même plus d'ici à mon avis. Hein. Ça, je vous dis ma façon de voir les choses à moi. Je pense que ça marche plus d'ici en fait. Ce qui se passe maintenant, le gros souci, c'est que c'est plus haut, que ça leur tape sur la tête. Et ben même le préfet, il peut plus trop rien faire parce que le préfet, je l'ai un peu grillé dans une vidéo en disant qu'il était cool, enfin le sous-préfet. Donc ça pose un peu de soucis. Voilà, donc là en gros, regardez, hein, on va faire le péage hein, parce que nous on s'arrête pas là, on a interdiction d'y aller. Ça, de toute façon, l'interdiction, on l'a tout le temps. Alors, hein. Après, c'est les policiers, pour une fois, vous avez vu, je suis dans l'arrière-troupe. C'est pas moi qui ai décidé d'y aller, moi je décide rien du tout. Hein. C'est assemblée citoyenne, vote à main levée, on y va, combien de temps, combien de machins, par où, comment. Tout est voté en fait par tout le monde. Il est au top, Mathieu. Ben, c'est pas être au top, faut bien expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a des points que ça marche pas bien parce que les gens s'entendent pas plus que ça. Mais si on se laisse tous parler, en fait, ça se passe très très bien. Regardez, hop là, ah, putain, on va arriver dans le noir là. Alors je veux bien montrer des trucs, mais vous allez voir que du noir. Donc on va faire comme hier en fait. On contourne le péage, machin et compagnie, on va le prendre par la PAF, hein, par la police aux frontières. Parce que le souci, c'est que la gendarmerie là, ils nous ont vraiment dans le collimateur. Quoi. Là, à mon avis. Moi j'ai mon pote, ils l'ont déjà attrapé hier. Il a fallu ce matin qu'il s'explique avec la haute autorité. Ça a été un peu compliqué. Et en gros le prochain, ben, ils ont dit le gars de la vidéo, on l'aime bien lui. À mon avis on va l'attraper. Donc ouais voilà. Moi le problème c'est que j'ai encore les gosses à la maison. Alors on va éviter de se faire bouffer les enfin manger des oranges. Là je vous montre. Vas-y. Donc là on passe les barrières déjà, tu vois. Vous voyez ou pas? Donc on a un bon groupe, hein. Là il y a au moins 60 personnes pour aller la chercher la barrière. Et on va voir comment ça va se passer avec les flics parce que je pense que ça va être un peu tendu quoi. Là c'est bon. Là voilà, il y a les consignes de, à mon avis, de Matignon. Alors Matignon, ils ont décidé de foutre le bordel entre nous. Ah, il y a un escalier là. Donc attendez, je regarde là parce que j'ai pas écouté moi, vu que j'étais pas pour la stratégie d'attaque, j'étais en train de parler au téléphone. Je sais pas ce qui se passe en fait. Pour une fois, je suis spectateur de la prise, vous imaginez? Spectateur et je vous filme pour vous. C'est mes parents où tu passes là. Là, ils vont descendre, puis ça descend à pic. Ah ouais, bon, ils peuvent filmer, c'est pas grave. La différence, moi, c'est du vrai, c'est pas du BFM. Ah non, j'adore. Ouais, ils nous ont mis un lampadaire ici, c'est pour... Merci, monsieur Vinci, au moins on peut descendre. Ah non. Mais non, j'ai oublié de vous dire, on a la télévision espagnole, en fait. Donc là, on a la télévision espagnole qui est avec nous en fait, vous voyez? Donc ça, je vous montre. Donc il faut un reportage parce que les Espagnols, en fait, ils font que de rouspéter. Ils en ont marre de pas passer leur camion. Mais ça, ils le montrent qu'à la télé espagnole. En France, comme vous le savez, les médias, ils vous montrent rien. Parce que ben, nous, chez nous, il se passe rien en France. C'est vrai qu'il n'y a pas de gilets jaunes. On est 10 000. 10 000. Ouais. Déjà, on est au moins 3 000 en ce moment chez nous. Alors... Enfin, chez nous, je vous parle là, motivé sur le boulot, quoi. Vous voyez, sur une barrière de péage, déjà, il y a plus de 3000 personnes qui passent régulièrement. Alors, il va falloir m'expliquer comment on est 10 000 en France. Mais bon, ça, après, c'est un autre débat. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire. Et pourquoi on est là? Parce que Macron, il a décidé quoi? Il a décidé qu'il fallait faire le bordel. Donc, on met le bordel. Voilà. Tant qu'il ne nous écoutera pas, ben, nous, on ne l'écoute pas non plus. Après, c'est donnant-donnant. Donc, ouais, on continue. On va prendre le péage. Vous voyez, la lumière que vous avez derrière, en fait, c'est la caméra espagnole. Donc c'est bien, on sera peut-être une star en Espagne, tu vois. Ouais. En fait, les Français, ils veulent pas me voir à la télé. Alors, je viens pas à la télé. Allez, je vous montre devant, parce que je sais pas si vous allez voir, mais putain, on est un paquet quand même. Hein. Franchement, il y a un paquet de monde. Regardez. Ils sont même loin, ceux devant, tu vois. C'est bien, pour une fois, moi, je serai pas devant. Ils vont pas me dire, c'est encore de ta faute. Mais moi, j'irai quand même leur saluer, parce que j'aime bien aller leur dire bonjour. Après, je vais dire, c'est pas moi, les gars. Il y a une voiture, mais pas dans le bon sens. C'est bon, ça craint pas, vous inquiétez pas. Donc là, voilà, le monsieur, il est là, vous voyez, on va le voir par derrière. Nous, on aime bien regarder par derrière. Ça, c'est la caméra espagnole. C'est la 6 espagnole, si vous voulez un petit truc. Moi, je croyais que c'était la 6, moi. Je suis dans le noir, là. Attendez, on va faire comme hier. On va faire France 3. Nous, on est France 3, Languedoc-Roussillon. Tiens, tu me fais le France 3. Hier, j'avais un commis. Tiens. Allez, vas-y. Attends, hop. Voilà. Alors, regardez, voilà. J'ai le commis, on va me voir comme ça. Ah, faut que tu te mettes devant et tu te mettes comme ça. Ben non, faut que tu m'éclaires moi. Faut que tu m'éclaires moi. Voilà. Ah, vous avez vu, j'ai le commis qui me fait la lumière. Bon, ben c'est bon, on a la lumière. C'est revenu.
Donc voilà, donc en gros, c'est bon, là, on avance bien. Les gars, j'ai 100 mètres de queue devant moi, tellement ils avancent bien. Regarde, vous allez voir peut-être là. Vous voyez ou pas? Voilà. Donc là, c'est au Pertus, au boulot, hein. On voit pas. Ben ouais, je me doute. Je suis désolé, Vanessa, qu'on voit pas. Mais de toute façon, je peux pas prendre une barrière si j'arrive devant les flics et avec mon gilet jaune, tu vois. On est obligé de passer par un peu un endroit où il fait noir, quoi. C'est un peu obligatoire. Il doit reprendre et ne plus distribuer nos argents aux riches. Oui, l'ISF. Ouais, mais tu sais, l'ISF, c'est qu'une petite... une petite bulle d'eau, hein, c'est rien. Moi, j'aimerais bien qu'on tape dans le portefeuille des multinationales, tu vois, un petit peu. Parce que l'évasion fiscale, on n'en parle pas chez les sociétés. Enfin, on en parle, mais quand on en parle, ça fait tellement de milliards qu'on veut pas y toucher, quoi. Bah, déjà, si on tapait dans l'évasion fiscale des entreprises, des multinationales, à mon avis, on n'aurait peut-être pas besoin, nous, de banquer un peu plus. Autant, en fait. Plus, ça, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de banquer plus. De toute façon, on peut pas banquer plus, on est mort, déjà. Mais au moins, banquer beaucoup moins, tu vois. Et le truc, c'est que les multinationales, bah, c'est toi et moi qui les fais vivre, mon pote. Hein, on va acheter dans leur merde, là. Leur truc, en plus, blindé de j'allais dire des pesticides. Non, ça, c'est les fruits et légumes. Les blindés de conservateurs. Ah, regardez, c'est bon, ils sont en face, ils nous ont grillé. Ah, vous voyez pas, en fait, il a mis les pleins phares. Mais ça, c'est une voiture de gendarmerie. Le petit point blanc, là, au milieu. Ils nous voient. Ah ouais, il y a le psy, regardez, il court. Il court là-bas, regardez. Ah, regardez, ils sont là. Allez, vous savez quoi? On va y aller un peu plus vite en fait. Parce que moi, j'aime bien filmer le live. Allez, on court. Allez, 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 courez. Courez, courez, courez. Ils sont déjà sur place. De toute façon, ils sont là-bas, faut y aller. Va falloir que je les pousse au cul parce que moi, je peux pas être devant. Mais si je suis pas devant, ils iront pas. Alors... Putain, je peux plus courir. Je fume trop de cigarettes. Bon, alors on va voir si ça force. Mais le problème, c'est que faut que ça force, quoi. Et là, vous avez vu, ils allaient très très vite tous. Puis là, ça va beaucoup moins vite. Alors, on va voir ce que ça donne. Vous inquiétez pas. Vous allez voir, je parle plus en fait. On est au Pertus au boulot, c'est toujours Mathieu. On va voir ce que ça donne, mais bon, moi je peux pas trop me faire griller aujourd'hui parce que là, je vous dis, c'était vraiment chaud pour moi en ce moment. On va se faire gazer. Ils pensent que je suis l'investigateur de tout. Je suis pas l'investigateur de tout, je suis l'investigateur de moi-même déjà. C'est déjà pas mal en fait. Allez, on va aller voir les forces de police. Oh putain, c'est petit chef qui est gentil en plus. On va aller voir. Il est cool. Oh putain, ça va? Dis bonjour à ta femme. Ça va, gros chef? Allez, on va aller voir là-bas. Mais c'est toujours le même qui vient en fait. Coucou la télé. Ah, regardez, on vous montre ça. C'est la télé espagnole, ça fait une boule. Il est où le chef? Alors, ça va, t-shirt? Je te filme pas, c'est moi, je me filme moi-même. Comme ça. Attention. Alors, ils ont peur pour la sécurité parce que c'est vrai qu'on s'est fait écraser déjà plein de fois. Ça arrive souvent. Je filme pas devant, hein, je filme derrière. Donc là, on a la caméra. Oui. Mais que les Espagnols, parce que nous, TF1, ils disent c'est bloqué au Pertus, mais ils montrent les images de Narbonne. Parce qu'ils confondent sur la carte Narbonne et Perpignan. Vous reculez, s'il vous plaît, vous n'avez pas accès au terrain. Rappelez le chef, s'il te plaît. Alors, ça, c'est le monsieur, il a dit on recule. Arrêtez de donner des taxes à l'État, bravo, faites qu'ils doivent être fatigués. Alors, vous êtes fatigué ou pas? Non. Les heures, vous en avez marre? Non. Bon, ben on fait un direct. Il y a un truc qui s'appelle la désobéissance civile. On a la télé ce soir, c'est bien, on a deux caméras qui filment. Allez, on y va, les gars. Ouais, ben, relégation, moi, ils veulent m'attraper depuis longtemps. Alors moi, je vais, si vous voulez y aller, allez-y, je vous suivrai tout de suite derrière. Mais moi, je vais laisser un mètre entre vous. Si je passe le premier, je pense qu'ils vont m'emmener ce soir. Encore? Je suis presque sûr. Et t'es SDF? Je suis pas SDF, mais j'ai deux enfants à la maison, quoi, tu vois. Et demain matin, moi, si je vais pas au travail, il y a personne qui travaille. Bon, bah, messieurs, soyez cool, vous voyez qu'on est beaucoup. Et on est pacifiste. Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez avancer, il faut y aller d'un coup, les gars. Là, faut passer par la gauche, là. Faut faire du zigzag, quoi. Moi, après, je peux pas vous dire plus, quoi. Allez, on y va quand même. C'est vous qui êtes pas raisonnable parce que déjà. Bah non, là faut passer sur le côté, faut y aller tout bah droit. Nous non plus.
Ils sont pas assez, hein. Là, à la base, d'habitude, on y va quand il y a que ça. Mais c'est toujours les mêmes qui font son. Tu vois, c'est ça le souci. Faut qu'il y en ait un qui prenne ses. Hop, qui aille et le monde va suivre. Hein. Bon, allez, on y va. Allez, on y va. Voilà, allez, t'es peut-être brûlé, passe sur le côté, vas-y, fonce. Il va t'arrêter, toi, la crevette. Aïe. Allez, s'il vous plaît. Écoutez, si on y va, on fait ça raisonnablement. Alors, on restera raisonnable. Ah oui, on a jamais. Eh, ça me fait chier, je peux pas y aller aujourd'hui. Si j'y vais, ça va être une merde. Vous me suivez, il faut me suivre. Tu vous foncez dedans. Allez, suis-moi. Alors, vous tracez, les gars. Allez, suivez. Allez, foncez. Faut y aller, quoi. Le problème, c'est que si personne y va, les gars, vous y montrez jamais. Bah ouais. Mais là vous avez plus compris, en fait je vous explique le coup. C'est que là on arrive au stade, ils veulent plus nous la laisser en fait. Donc maintenant à part y aller un peu en forçant, donc là faut qu'il y en a un qui court et puis qui dise allez feu. Moi j'ai le sifflet pour envoyer le tympan si vous voulez. Allez, vous êtes prêts, on va faire un engagement. Quand je chiffre fort, tout le monde court. Allez, vous avez entendu ou pas? Quand je chiffre fort, tout le monde court, simplement. Ah, et on passe. Ben vers le PH, si tu cours vers chez toi, ça sert à rien de venir là. C'est logique. Allez, vous êtes prêts? Tout le monde? C'est un feu. Eh, faut faire prêt, feu partez. Vous prenez le courage à deux mains. Allez, 1, 2. On va pas faire à 3, ils vont attendre autrement. Mais vas-y, moi ça fait 3 semaines que j'y vais, d'accord? Je vais être sympa, mais c'est toujours le même qui va aller en garde à vue. Voilà. Alors il y a un moment, c'est bien d'avoir un chef, mais je suis pas chef. J'ai perdu les clés de ma voiture. Capitaine. Mais je sais, mais là tu feras rien, c'est la relève. Là pour l'instant c'est pas lui. Capitaine. Je vous montre. Capitaine. Capitaine. Donc là on essaye de prendre le péage, mais voilà, si je cours pas devant, bah, personne court. Alors, putain, j'ai les jambes qui me titillent quand même. Hein. J'ai les jambes qui me titillent, mais... Il y en a deux qui sont passés sur le côté déjà. Ben voilà, ben alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? On refait un sifflet, si ça vous motive. C'est des renforts, c'est police. Oh, ben voilà. Allez, dépêchez-vous. Eh, on fait un foot! Venez courir! Ah, on a des relèves derrière encore! Mais c'est pour ça qu'il faut y aller, tracer! Attendez, je pose le téléphone, je remets le chapeau! Hop! C'est bon, je suis de retour! Ah, on va y aller hein, ce coup-ci, il y a un moment, ça va péter! Il y a les collègues qui arrivent! Ouais, mais les gars, quand je chiffre, putain, vous me dites oui, vous y allez pas! On n'est pas assez là! Bah, on n'est pas assez, putain, on est 3 fois plus qu'eux, ça passe! Moi, on le prend à 15 d'habitude. Ouais, mais le problème, c'est qu'à 15, c'est toujours les mêmes qui courront devant. Alors, il y a un moment, les gars. Moi, je sais très bien que ce soir, où je dors si je fonce le premier. Putain. Ben oui, ils y sont déjà. Allez-y, finissez. Il y a du monde qui arrive. Parce qu'ils sont derrière. Allez, on les occupe. Non, mais c'est même pas. Vas-y, commencez à avancer. Je vais aller motiver les troupes qui arrivent là. Parce qu'eux, ils vont être motivés. Alors, attends. Alors le but du jeu, vous arrêtez pas, vous continuez de marcher tout droit et hop vous passez derrière eux. Parce que là ici le problème c'est que c'est comme d'habitude, si Mathieu il y va pas, personne suit. Mais moi ils m'ont bien dit, aujourd'hui c'est dodo en cabane si j'y vais en premier. Alors, putain, prenez vos jambes à vos coups, bordel de merde. Mais toi t'es comme moi, alors tu restes avec moi et t'attends 5 minutes. Dès que tout le monde a avancé, moi, on ira. Sur deux groupes et qu'il y en a un qui est passé par l'autre côté. On est 3 fois plus qu'eux là, putain, y a même pas à réfléchir, les gars. Mais on est 3 fois plus qu'eux, y a pas de. Une fois qu'on est passé, ils feront rien. Y'en a qui sont partis bloqués. Vous allez vous foutre dans les fossés là. On y va tous. Bah alors allez-y, foncez, vas-y. Je te dis, moi ils vont m'attraper, c'est pas que je veux pas, rendu un moment, putain, comprenez-moi un peu, prenez les devants les gars. Bah allez-y, continuez. Ben voilà, il est tout seul. Ah ouais, comme d'habitude. Bon, en fait, je crois que ce soir, il va pas être pris le péage. Le problème, c'est que je vais être franc avec vous, j'irai bien, moi, putain, parce que ça m'énerve, en fait. Tu vois, de faire des trucs, de pas y aller, ça m'énerve. Putain, si on fait un truc, on y va, quoi, on fonce. Mais on est 3 à vouloir foncer, quoi. Putain, c'est toujours pareil, quoi.
ça parce qu'il y a des cons hier qui ont déconné. Parce qu'il y a certaines personnes hier. Personne n'a déconné hier, non, ça s'est très bien passé. Qui ont donné leur parole et au final qui ont bloqué de faire les déclarations. Mais c'est pas vrai. C'est divisé pour mieux régner. Nous, on était là aux discussions. Il y en a un qui est passé. Et voilà. Il faut continuer, les gars. Alors, reculer ou on rentre. Hein. Moi, écoutez, rendu un moment, je rentre hein, si c'est pour faire ça. Putain, c'est fou, quoi. Ça m'en fout. Ils pourront plus rien faire. Ben oui, mais t'as tout compris. Là, on court, on y va. Et comme d'habitude, c'est toujours le même qui va encore passer derrière. Et puis, c'est moi ce coup-ci qui va me faire attraper. Parce que là, je vous dis, ils ont mon nom, prénom. Ils ont ma fiche. Ils ont même mes trois prénoms. Ben, pour vous dire qu'ils ont été loin, les gars. Ils ont été chercher ma pièce d'identité. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Bah, je vous montre, en plus, il y a 10 mecs, quoi. 10 flics. Faut les faire reculer. Là, plus ça va aller, plus eux, les autres vont s'habiller, il n'y aura rien. Ma femme, elle est passée l'autre fois par le talis là-bas. Moi, je sais plus quoi vous dire. On dit à un moment, c'est toujours le même qui va. Moi, en fait, faites comme vous voulez. Parce que demain, pour info, demain, je suis pas là. Donc demain, il n'y a pas de prise de péage si je suis pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis navré pour vous. La vidéo, elle fait pourri, là. Tu vois, ça me plaît pas que c'est comme ça. Avoir le droit de revendiquer quoi que ce soit. Mais ouais, mais t'as compris. Je vais finir par y aller, en fait. Mais ma famille, elle va me dire, putain, bah, tu le savais, quoi. Tu vois, c'est toujours pareil, en fait. C'est ça le problème. Voilà, tu vois, tout le monde est parti comme une balle de fusil. Moi, je savais que ça allait pas tenir. Et en plus, maintenant, ça s'est arrêté net. Quoi. Là, on a des personnes, regarde, elles sont devant, elles pourraient y aller. Quoi. Bah non, ils y vont pas. Y a pas de flics à côté. Mais ils y vont pas. Ben. Il y a tout un cordon qui est là le long, le flic. Ce qu'il faut, c'est remonter plus haut et redescendre. Mais on a des gilets jaunes déjà là. Bon, il faut y aller, hey. On a les collègues, ils l'ont le péage. Allez, il y a du monde là-bas. Allez, feu. Mais il y a du monde, il est pris le péage, regardez. Allez, c'est bon, on y va. Tu vois. Allez, on y va. On bouscule personne, vous êtes débordés. C'est bon, on l'a. Il est à nous, les copains, regarde. C'est bon, je me mets au milieu. Hop, on s'écarte un peu, il a failli m'écraser. Lalou. Ah. Ils ont été débordés parce qu'il a fallu les déborder. Ah, ça a été débordé, les gars. Chacun son tour. Ouais. Allez, tu vois, ils partent, c'est bon. Yeah. Bon, vous êtes contents? On l'a eu. Macron démission. Alors, nous, on est les gilets jaunes pirates de l'autoroute. Vous êtes les pacifistes, mais elle est à nous, l'autoroute. Plus d'Espagnols en France. Vous avez vu, j'ai mis la caméra espagnole, même. On s'est pas baisé chez nous. Bravo, t'es trop fort. Ben ouais, vous avez vu, hein, c'est qui encore? Alors là, le problème avec la vidéo que je viens de vous faire, si demain matin à 6h on vient pas faire toc toc à ma porte, ben j'aurai de la chance. Bon, si on fait toc toc à ma porte, je les préviens, je vais pas dormir chez moi cette nuit, au moins je serai tranquille. Merde, t'es où? T'es là. Et voilà, c'est fait, tout est à nous. Alors le problème, c'est ce que je vous disais. Dans un mouvement, il en faut toujours un qui soit un peu plus excité. La police, la gendarmerie, elle dit, vous allez bloquer, mais il faut filtrer. Si vous bloquez, on va vous enlever. Ouais, ben je sais. Alors, t'inquiète pas, mais on bloque. On s'en fout, voilà. Faut faire un bouchon. Donc là, on a le chef de la police. Ben voilà, on le connaît bien en fait. Après, on peut pas leur en vouloir, les gars. Hein. Ils avaient qu'à mettre 50 forces de l'ordre. Le problème, on les a débordés parce que là, on était une centaine à peu près. Voilà. Donc c'est pas de leur faute quoi, les mecs ils font leur métier, mais si on met pas les forces qu'il faut pour nous bloquer, ils peuvent pas nous arrêter.
Ça, c'est un petit message pour Monsieur Castaner. Tu veux faire des économies, mais tu vois, tu les fais pas où il faut, les économies. D'accord? Parce que filer des bagnoles pourries aux flics, tu sais faire. Mettre le minimum de force, tu sais faire. Et par contre, prendre des CRS pour aller taper sur la gueule de certains Français, tu sais faire. Hein? Et là, il y a du monde, par contre, à Paris, hein, pour aller faire taper sur les manifestants. Hein? Mais ta frontière, elle est pas à toi. Voilà, c'est tout. Elle est aux gilets jaunes, au peuple. Parce que le peuple, ils l'ont payé, ce bitume. Et toi, t'as été le vent de moitié à Vinci pour qu'ils se gaffent sur notre gueule encore. Tu vois, là, en plus, j'ai les paroles cash, là. C'est bien parce que, tu vois, vous m'avez mis les nerfs. Mes collègues, ils ont pas suivi, tu vois, ils traînaient. Ça m'a mis les nerfs. Donc là, tu vas entendre des revendications, en fait. Quand j'ai les nerfs, j'ai les revendications qui reviennent. Bon, de toute façon, je sais très bien, tu vas pas m'écouter. Ça change pas grand-chose. Donc là, vous voyez, bah, moi, je vous explique comme d'habitude. Le bouchon pour le faire, on arrête tout. C'est ce qui est plus marrant. Donc là, je pense qu'on va pas faire passer tout de suite. Les messieurs, ils peuvent faire le goûter. Et puis après, on verra. Donc voilà. Donc là, en fait, alors on fait le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ils étaient 13 policiers. Quand vous avez vu les personnes, parce que là, vous voyez pas grand-chose. Mais devant, c'est blindé de chez nous. Donc un Castaner, je te refais le passage. Si tu veux pas te la faire niquer, ton autoroute, mets-en des CRS. Dépense un peu de CRS là à ta frontière. Comme ça, tu les auras pas à Paris. Il va falloir que tu fasses des choix, en fait. T'as vu, les choix, c'est compliqué. Hein. Mais vu que les choix pourris, tu sais les faire pour nous, ben nous, on va pas te laisser te faire de choix, en fait. C'est soit tu les mets là, soit tu vas les mettre à Paris. Et à Calais, ils vont faire pareil. Donc, tu auras le choix. Donc, soit tu vas te faire détrousser à Paris parce que tu n'auras plus assez de CRS, ou soit tu te fais détrousser tes frontières et il n'y a plus de pognon dans le pays. Tu choisis, mais c'est le peuple maintenant qui décide. Vous déciderez plus, les gars. Vous avez pas compris encore. On veut plus de vous. Fini. Voilà, c'est fini. Vous avez compris? Alors, si t'as pas compris, monsieur Macron, prends ton téléphone. Tu sauras me trouver, hein? Mon nom, prénom, tu l'as? Tu sauras me chercher. Appelle-moi et on va discuter autour d'une table. Tu vas comprendre. Ok? Parce que si pour toi, une famille normale, c'est papa, maman qui ont fait. Je suis médecin, mon père et ma mère est médecin, je viens d'en bas. Bah putain, faut que tu m'expliques, mon pote. Parce que moi, s'il y avait un médecin dans ma famille, on en serait fiers, quoi. Et toi, tu me dis, t'as ton père et ta mère qui est médecin et ils viennent d'en bas? Bah putain, mon pote, hein. On n'a pas la même notion du bas. Alors moi, je viens du sous-sol, tu vois? Moi, mes parents, ils ont travaillé toute leur vie, hein, d'accord? Ils travaillent encore, d'ailleurs. Mais bah, vu leur métier, à mon avis, le problème, c'est qu'ils doivent... C'est sous terre, quoi. Nous, on travaille dans le métro, nous. Ah, putain, ça m'a fait plaisir de lâcher un peu de haine, là, tu vois? Bon, après, de la haine, c'est de la haine contre le gouvernement, hein. Tu l'as voulu. On va aller te chercher. C'est énorme. J'adore dire ça. Les Parisiens, allez le chercher! Bah, je vous remonte, c'est bloqué, hein. Frontière Pertus, boulou, pour ceux qui me connaissent pas encore. Et voilà, mais après on fera des référendums populaires, ça je suis complètement d'accord avec toi, parce que c'est le peuple qui va décider. C'est fini d'avoir un trou du cul là qui se gave et qui se prend pour nous, et qui se dit nous représenter. Bah putain, s'il me représente, mon pote, hein. Moi je me mouche pas dans du Dior, hein. J'espère que t'as bien compris. Mathieu Président, mais tu veux, je te dis, j'en veux même pas du poste de président, mon pote. C'est pourquoi? Parce que si tu me mets président, bah dans 2-3 ans c'est pareil, il y aura des groupes qui feront pas ce que je dis. Et ça sera la même guerre. On veut plus de président et de trucs qui décident pour nous. On veut que le peuple décide pour nous. Voilà, et le peuple, c'est toi et moi. Bah putain, je fais monter les vues ce soir. À mon avis, vous kiffez ma parole. 777. Ah, écoutez ça. Voilà, ça c'est beau. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Et toute la clique de merde qui a derrière. Voilà, t'as entendu? Tu vois, tout le monde te le dit, dégage! Eh, hey, un de tes prédécesseurs, il avait dit casse-toi, pauvre con! Mais moi, je te dirais casse-toi, pauvre connard, ouais! Ah, on fait un bouchon, ouais, comme d'habitude. Il faut que je lui donne mes 700 balles par mois et en plus, on vit à 3 dessus. Mais ouais, Forti, là, je te comprends, c'est la misère en France. En France, tu gagnes même 2000 euros, tu pleures encore plus que le mec qui gagne 1000 balles. Et je te dis pas de conneries, c'est du réel! Faut pas croire que le mec qui gagne 2000 euros en France aujourd'hui il est riche. C'est pas vrai. Le mec qui gagne 2000 euros il se fait tellement asmater qu'il travaille comme si que le mec qui gagnait 1000 balles. Voilà, c'est pareil les gars. Faut pas se diviser entre nous. Nous on est forts. C'est à eux qu'il faut diviser. Eux c'est des sous-merdes. C'est tout. On est un peu gentil là parce que j'ai l'impression que ça passe beaucoup là les camions. Alors vous voyez, c'est ce que je vous disais. La police elle commence à se rapprocher de moi. Je vais finir par me les avoir au cul. Bastien Parot, dégage, c'est à qui que tu dis dégage? C'est à moi ou c'est aux flics? Tu peux me répondre, hein, Bastien Paturo. C'est
là toute la nuit à condition qu'on respecte une minute trente. Alors, parce que c'est pas possible une minute trente, ils ont pas compris, c'est... Oui. Non, une minute trente, ils disent. Ils disent que si on veut, on peut négocier jusqu'à deux minutes. Mais si on veut oui. l'avoir, alors on va leur faire une minute 30. On va leur faire une minute trente pour l'instant. Et puis qu'est-ce que t'en penses après? Bah ouais, on va augmenter petit à petit. Voilà, tu vois. Donc ça, il va faire tranquillement, il va voir tout le monde, puis on va le voter. C'est pareil, c'est pas nous qui prenons les décisions. C'est le peuple, donc c'est tous ceux qui sont ici. La 6ème République, maintenant, de suite. Démission Macron et la 6ème République. Maintenant, une constituante avec tout le monde. Voilà, une revendication de plus, t'as entendu? Tu veux quelqu'un d'autre? T'as quoi comme revendication à lui faire, à ce petit Macron? Bah écoute, au niveau des taxes et du pouvoir d'achat, comme tout le monde, bien entendu. Et puis, j'aimerais bien qu'il montre l'exemple, moi, tous ces politiques. Ah, parce que toi, tu veux le garder à la tête, alors? Démission, je veux bien qu'il s'en aille. Mais tu sais, les morpions, tu sais, ça s'accroche. Ça s'accroche, là, je suis ça d'accord s'accroche, avec toi. Et puis, bon, il faut l'éther. En tout cas, on veut bien une démission. On veut une démission. À la base, on veut une démission. Mais pas que Macron. Ben non, tout le gouvernement, dis-le, voilà, parce que c'est pas voilà, que moi voilà, qui... Parce que là, tous les parasites, là, et tout ça, on n'en veut pas. Parce que là, maintenant, ils mettent les amis, la famille, c'est de génération en génération. On est revenu au temps des seigneurs. Voilà. Mais vous savez... Alors, je vous le montre, parce que là, on va bien la voir, ce coup-ci, c'est la caméra de télé de la 6 espagnole. Si vous voulez regarder un super reportage de prise de pêche, ils l'ont fait aussi. Tu vois, il y a la caméra dans la main et tout. D'accord. Et je vais vous montrer leur tête, ils sont cool. Vous êtes filmés en direct, il y a 1000 personnes. Je montre que vous étiez là. Combien de personnes? 880. Ah, je suis populaire, je commence à être populaire. Ouais, ouais. Les gens ils veulent que je fasse du spectacle, mais j'ai pas le temps. Bon, vous avez vu, hein, tout est bon enfant comme d'habitude, hein, pas de casse, pas de heurts. Après, le truc, c'est que moi je vais pas passer à côté d'eux ce soir. On va pas, vous allez pas aller me voir pour négocier avec les flics, parce que les 2-3 prochains jours, on va se faire oublier, on va en envoyer quelqu'un d'autre. Ah! Des demi-playmobil qui arrivent, ça c'est moins bon déjà. Ils sont pas costumés, mais ça en a fait 5 de plus quand même. Alors les politiciens ils devraient pas être au SMIC. Les politiciens ils devraient être comme en Norvège. Regardez ce qu'ils ont les politiciens en Norvège. Mais ça c'est le peuple, ça c'est normal. Ouais. Je vais pas vous expliquer, c'est trop long. Putain, il y en a un, je sais pas ce qu'il fait avec ses lumières. Ah, se décaler. Alors attends, je dis les trucs, Macron c'est un tic, même avec du répulsif il reste. Ouais, là je suis d'accord avec toi. Alors les agriculteurs français, bah tu m'étonnes qu'ils sont contents, tout ce qui arrive c'est pourri. Attends. Les messieurs tout bleus ont dit qu'ils allaient t'emmener si tu continues à filmer. Ah, vous avez entendu, je risque de me faire emmener si je me continue à filmer. En fait c'est la caméra qui dérange comme je vous ai expliqué. Parce que la caméra... ça montre la réalité du terrain et ça, vous avez vu, si BFM TV le passe pas... Il y a l'OPJ qui va venir te voir. Là. Et si personne doit passer, l'OPJ va venir me voir. Alors le problème, c'est que je vais pas faire le con. Quand il y aura l'OPJ, je vais garder la caméra en fait quand même. Parce que c'est un droit en fait, j'ai le droit d'avoir la caméra avec moi. À ce moment-là, je vais pas le filmer lui, parce que je suis pas obligé de le filmer, j'ai pas le droit. Mais en voix, on va l'entendre. Je sais pas ce que vous en pensez quoi? Quelqu'un peut me dire où ça se trouve? Au Boulou, dans le 66, frontière espagnole au Pertus. Ok. C'est une frontière. Filmez-les tous. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Parce que si je dois faire une garde à vue, c'est bien. Vous allez tous être pouvoir. On va vous... En fait, je compte sur vous pour faire les porte-parole de moi, en fait. Si je vous fais assez rigoler, le but, c'est qu'après, vous bougez un peu votre cul aussi, vous. Puis vous dites, putain, on a arrêté ce gars, quoi. Mais ce gars, on ne devait pas l'arrêter, en fait. Il dit la vérité. Donc après, c'est à vous de faire quelque chose, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mes vidéos, elles deviennent virales, vous les balancez à l'Elysée par coup de 4000, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais vous leur faites comprendre que le gars là qui dit la vérité, on n'a pas à l'emmerder en fait. Ah, ma mère, elle me dit arrête, elle commence à avoir peur. T'inquiète maman, je dormirai en garde à vue, c'est pas grave. Hein. Ils vont pas me manger les couilles. Hein. Te fais pas embarquer, c'est le jeu ma pauvre Lucette, tu crois pas que quand tu viens sur un péage et que tu fais des vidéos, rendu un moment, on va te laisser comme ça un peu de célébrité. Ça fait mal au gouvernement, hein. Là si Macron il voit la vidéo, tu crois qu'il doit se dire quoi? C'est quoi cette espèce de branleur? Je pourrais l'écraser avec mon pouvoir. Moi je vais m'écarter, c'est chiant. Bon ben voilà, on en était là quoi. Pertus le Boulou, c'est à nous.
Arrête. Oui, maman, j'arrête. Mais quand j'aurai envie d'arrêter. Pour l'instant, j'ai pas envie. C'est pas cool de quoi? Qu'est-ce qui est pas cool? Dis-moi. On viendra te libérer. Ben voilà, c'est ça. C'est à vous de, après, de faire un collectif, tu vois. En plus, je vais être malin. Je vais courir pour pas qu'ils puissent me parler. Nous, on pense à ces gilets jaunes. Maman, il sera au chaud. Yes, ça grimpe. 1060. Ouais, voilà. Après, on repère des vues. C'est normal. Là, les gens, 1000 déjà, c'est énorme. Alors, laisse les autres filmer. Ouais, c'est ça. Faudrait que je laisse les autres. Mais le problème, c'est que vous allez pas voir. Parce que les autres, ils mettent pas sur le groupe. Ils ont pas autant de monde qui regarde. Alors, c'est chiant. Mais ce qu'on veut montrer, c'est que c'est bloqué. Ah putain, maman, s'il m'enferme jusqu'à Noël, là, ça pue du cul quand même, ça veut dire que je vais y rester un moment. Hein. Arrête, arrêtez, je filme, on n'entend plus, t'es en direct. Macron, oh Macron, Macron le con. Ah, c'est bien, mon pote. Vous avez vu, ça, c'est quelqu'un qui est dans une... Ouais, mais des bonnes, Clémentine, mais on va créer une cagnotte, c'est ça. On fait, vous faites ce que vous voulez, mais vous me faites sortir, quoi. Bah tout le monde me demande de t'écouter maman, c'est fou. Tu vois que moi j'ai pas envie de t'écouter. Mais c'est pas parce que tu me le dis. C'est parce que rendu un moment, on revendique rien de mal en fait. On fait pas de mal, on manifeste d'une part. Et en plus on revendique les droits du peuple. Nous ce qu'on veut c'est une destitution. Après ils nous écoutent pas. C'est ça le problème. Tu les as énervés les monsieur. Il dit ouais je sais où j'habite, où il habite et tout. Mathieu, il y en a un qui colle là. Avec le rosé. Applique ? Non, non, une personne comme toi et moi là. Ouf. Ouais, mais moi je peux pas trop aller voir les polices aujourd'hui. Ce soir les gars, va falloir s'autogérer. Tu vois, le problème l'autogérance chez les jaunes, c'est compliqué des moments. Ah, ma pile électrique. Bon, bah allez, ce qu'on va faire, on va arrêter le direct. Parce que là, ce coup-ci, je crois que ça va être compliqué pour moi. Donc si vous me revoyez pas ce soir, c'est peut-être que je suis au chaud. Eh, ça serait trop marrant, j'ai jamais eu de menottes encore dans ma vie. En fait, la seule fois que j'ai joué au policier au voleur, c'était avec mes enfants. Là, on jouera en vrai. Bon, allez, je vous laisse, messieurs, dames. Je vous dis à tout à l'heure, c'était au boulot au Pertus. Surtout, vous faites partager la vidéo. Parce qu'avec ce que je viens de dire, comme quoi, en France, on n'a pas le droit de manifester. Autrement, vous voyez, dès qu'on en voit un ou deux un peu plus que les autres, on va les arrêter et on va dire que c'est eux les mauvaises troupes. Sauf que moi je suis pas une mauvaise troupe, je suis le porte-parole de tous ceux qui sont ici. Voilà. Parce qu'il y a un moment, faut que ça passe à la télé ce qui se passe. Et ça passe pas à la télé, c'est ça qui nous emmerde. Bon allez, en tout cas, à tout à l'heure, amusez-vous bien et on refera un direct, vous inquiétez pas. Je suis avec vous pour un moment encore. Bisous les amis.